quelque chose passa qui me fit presque défaillir, comme si l'haleine du printemps m'eût donné un baiser d'amour. Une force inconnue faisait se rencontrer nos yeux. Et je me mis à rêver d'amour. Oh, l'amour, 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 l'amour. Je me sentais mère. Je tenais là de quoi aimer, à ne savoir plus faire autre chose. J'avais envie de chanter. Jeanne. Mais une peur atroce me saisit de le voir. Je venais de trouver Rosalie dans le lit de mon mari. Rosalie, à quel moment? Comment as-tu pu céder? Alors, monsieur Piche, qu'est-ce qui vous amène? Oh, c'est ma femme qui m'a déposé en voiture. Non, je dis pas qui est-ce qui vous amène, mais qu'est-ce qui vous amène? Pourquoi vous venez me voir? Oui, bien sûr. Et donc, maintenant, vous vous ennuyez de façon anormale, c'est ça? C'est ça. À quelle fréquence, à peu près? Non, j'ai pas de fréquence, non. Je m'ennuie en permanence. C'est du non-stop. Du non-stop? Pourriez-vous regarder mes mains? Allez-y, hein, regardez-les bien. Alors, d'après vous, est-ce qu'elles ont changé? Quelques jours plus tard, je suis descendue payer mon loyer en bas chez le coiffeur. Et il était là. Je le suivais du lit à la table. De la table. Emmanuel Macron, il n'a jamais été élu, fallait essayer. D'où c'est un argument, ça? Oui, j'avais jamais réchauffé l'eau du bain de mon fils avec un sèche-cheveux. Fallait essayer. On dirait que le mec a pas bien compris le sens du mot acquis dans acquis sociaux. Dans sa tête, il se dit c'est acquis ça. C'est la personne.